Et coucou tout le monde. Ah mais... Et pourquoi j'ai toujours du monde à cette intersection-là, là? Non, je pensais qu'il y aurait quelqu'un sur le champ. On est trop à tourner. Et coucou, Kevin, comment vas-tu? T'es au taquet. Ah ouais, t'es fatigué. Fat de dos, hein. Connard. Je vais faire un truc. On est ça. On est sain qu'on est sain. Ah mais merde, attends, faut qu'on s'entende. Dans la théorie, on devrait avoir quelqu'un qui arrive. Pas de batterie. Et je crois que c'est Dame Elsa.
aller trop vite. J'ai de bouffe sur moi aussi. Que je mette là. C'est pas mal de mettre là. On est quelques-uns quand même. Ah, Laurent. Au max. M'en donne 8.
ça va aussi. Ça me va. Non, non, j'ai pas postulé. Pas postulé. Et mon perso ne les a pas encore vus et n'est pas encore au courant. Comme en ce moment, je ne joue pas le soir. Il a lu vite fait les news de Weather News là, mais. Peu de postulation. Et de toute façon, avec la phobie du sang de Sean. Pas sûr que ce soit très compatible, tu vois. Pour un autre perso, ouais, je pense que je tenterai ma chance. Avec déjà une petite histoire de pompier volontaire en France. Et voilà. Sachant que j'ai été pompier volontaire, donc je connais déjà certaines choses. Donc je vais peut-être pouvoir jouer là-dessus. Ouais, mais au moins, tu vois, ça t'oblige à rester dans une certaine ligne directrice. Et quand j'ai vu, je suis en train de me faire le replay d'Alex, là. Et bon, je le faisais avant le live, hein, je le ferai, mais je continue, je la finirai plus tard. Et quand je vois certaines personnes qui ont postulé, ouais, c'est. D'un côté il y a du GHQ, d'un autre côté il y a oh c'est tout nouveau, je vais absolument faire ça, et voilà quoi. C'est le genre de mec avec qui je peux pas trop m'entendre. C'est le genre je sais tout, je connais tout, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Donc voilà, donc c'est pour ça, le temps de mon perso là, ça va s'estomper, ça. Ça va être moins. Et comme quand il y a eu le SASP, c'est pareil. Donc voilà, les colonies de vacances, c'est pas trop mon délire. Ah oui, ça a l'air super sympa hein, à jouer, mais. Pas. Bonjour. Bonjour. Comment Oh là. allez-vous? Ça va bien toi? Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Tu partais en tournée? Oui. En tournée en vente là, pardon, excuse-moi. Oui. Ouais, ah bah super. Eh ben je vous souhaite une bonne vente alors. Bonne soirée à vous. Bonne matinée à vous, pardon. Et de même Ouais. pour toi. Merci. À plus tard, bon courage. À plus. J'aime bien le faire chier. C'est très drôle. Monsieur Walt. Oui, je pense qu'Alex va faire en sorte que. Mais. Moi, je sens que ça va être. D'après ce qu'il a dit, là, sur ce que j'ai vu. Il faut. Aucun pompier en ville pour que les médecins puissent prendre les appels. Alors le moment où les mecs ils vont être en repos, il va y avoir des accidents et que les médecins pourront rien faire et que s'il n'y a pas de pompier en service, Et ça va être salut. très drôle. Et bonjour. Salut. Ça va être très drôle. Donc, va falloir qu'ils mettent un système d'ouverture-fermeture du service.
Non, ça a pas marché. Bon, ça va créer des soucis et ça te complique. Surtout s'ils font comme le LSES, le LSES ou le BCES certains soirs, où c'est ouais, bah on se fait un team building, le service sera pas disponible. Ouais. Va être complexe. Ah bah clairement, hein. Clairement, clairement, ça va être très drôle. Moi, oh, j'attends de voir la suite. Ah, mais merde. Et bah voilà, à parler, Walt. Pourquoi je vais appeler Walt? Sean sera déconcentré à force de parler. Oui, ça va être très drôle, oui. Bah déjà, eux, ça va leur rajouter du boulot. Va leur rajouter des longueurs d'intervention. Et ça va peut-être justement en calmer beaucoup à rouler comme des cons, là. C'est vrai que c'est compliqué des fois. Dans la théorie, à part une CP, t'as pas à rouler vite. Surtout qu'il y a une zone de roulage là, sur l'aérodrome de Sandichor, alors je sais, c'est parce qu'il y a le plus intéressant, mais au moins tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc ouais, on verra bien de toute façon ce que ça. Comment ça évolue, ça fait. Mais tu vois, des fois ils se font chier, mais des fois ils sont débordés aussi. Hein. Dès que t'as une fusillade. Et encore en plus, ils ont les accidents à gérer. Déjà qu'ils arrivent à envoyer bouler des gens qui viennent se faire soigner pendant qu'il y a des fusillades, ils n'arrivent pas à gérer. Donc. Ça va être compliqué. Ouais. Oh non, journée aussi. On a déjà vu des fusillades il y a pas longtemps encore en pleine journée. Puis là, tout le monde est un peu hype pour pouvoir jouer avec les docks, là. Quoi? Ça va être compliqué. Pour pouvoir jouer pas avec les docks, mais avec les pompiers. Il reste combien de temps sur son live à faire? Oh bah il me reste pour longtemps, il me reste 10 minutes. Ouais, en gros, j'ai tout. J'ai pas ma compte aperçu à jour. 582 ou 584. Des départs dans les entreprises, oh bah oui, il va pas y en avoir des masses parce que tu vois, a priori, ils bloquent à 20 ou 30 là. Puis ça va être progressif, ils vont pas prendre tout le monde en même temps. De toute façon, tu peux pas le temps de former les gens. Pas possible.
Et t'as réussi à remonter un peu le vignoble là, en termes d'employés? Il n'y avait pas énormément de monde hein, du lac qui était passé. Et je suis con, je peux juste regarder sur le wiki. Et le boulet. Entreprise. Arlon. On a 18, ça va. Si le wiki est à jour, quoi. Ok. Bah ça, c'est un peu mieux. On était quoi, 13 là quand j'étais là, je crois. Et ça dépassait à peine le million. Pas bizarre, hein. Là, tu vois, pour te dire mon rythme de jeu, j'ai vendu 4 500 fûts, donc à 20 $, hein, comme les cubis là. Et je suis à un total de 90 000 de CA. Donc ça, je suis un peu geek sur les bords, pas bon. Et quand Dulac disait, il faut le voir comme un apport financier, oui, effectivement. En bien, là, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est les mêmes temps. Hein. Oui, non, c'est le temps de trajet, ouais. Entre la transfo. Mais c'est surtout que. Là. Là, 9h10, j'étais déjà. 3 heures de jeu depuis hier, quoi. Ouais, c'est sur la route que vous perdez du temps. Et encore, je me demande là, c'est pas kiff, à peu près kiff-kiff, parce que vous utilisez les bécanes, donc vous êtes plus rapidement vers 140. Et nous, on peine à atteindre les 120. Hein. Ouais, transfo, stockage, ouais. Ouais, mais on a la récolte plus loin. A la récolte un peu plus loin, mais effectivement, il y a un peu moins de route que par rapport au vignoble. Et la route du vignoble est assez complexe aussi. Je suis d'accord. Mais beaucoup d'entreprises maintenant ont. Alors, vous avez 400 kilos parce que c'est le choix de marque de prendre des briquettes. Du là qui était déçu qu'il n'y avait que les briquettes, je rappelle. Du là qui avait quand même demandé. On peut pas travailler avec des mules, non?
Ah bah non, c'est briquet en briquet. Ah bon, bah d'accord. Donc c'est ta faute s'il n'y a que 400 kilos. Non, je pense que les mules sont plus rentables, même si tu roules moins vite, c'est plus rentable. Les briquettes. Ah, c'est pas le choix, Marc. Ah, j'étais persuadé que c'était le choix de Marc, moi. Alors, tac. Ouais, bah, je t'avouerai, j'ai jamais eu l'occasion de faire un calcul. Pas dire. Et puis moi, les calculs sont simples, hein. C'est le code William. Ouais, mais quand t'as repris, t'aurais pu rechanger, tu vois, ta guise. Bon, Marc aurait pu rechanger à sa guise. Mais merde, je... Ouais, je me doute bien que t'as fait le calcul. Mais merde, c'est pas ouvrir le coffre que je veux faire. Ah, 12 812. On est bon. Il me reste une bouffe, une boisson. Oh. Ah bah oui. Après, il y a certaines possibilités. Il y aurait possibilité de faire du 50-50, mais rien dit. Après, comment elle est dispatchée, c'est encore une autre histoire. Et j'ai déjà mon idée aussi. A tellement il me collait au cul, j'arrivais pas à voir ce que c'était. Et coucou les copains! Et comment ça va? Bah, ça va bien, je me sens un peu seule parce qu'il n'y a que moi qui mets la radio. Ah bah non, la preuve que non, sinon tu parlerais à bah, un fantôme. Ta compagnie. Eh ben de rien, mais ouais, mais je savais pas que vous mettiez la radio non plus. Je me suis dit tout à l'heure, ah bah tiens, comment ça ira du monde, on va mettre la radio, on sait jamais, comme ça si je croise, et ben on pourra parler en radio. Bah oui, c'est bien. Bon, on m'a dit oui, il faut mettre la radio. J'ai mis une semaine à comprendre comment ça marchait et maintenant plus personne n'a mis. Ah bah super, mais comment ça se fait que t'as mis une semaine à comprendre que ça marchait, il y a trois boutons à appuyer dessus? T'avais pas compris quel bouton appuyer? Ah bah d'accord. Et je pars transfo, bonne récolte, je crois. Tout à fait. Bonne transfo à vous, des bisous. Petit con, un petit con chenou.
Attends, je bégare et je lis tes messages. Non, je crois qu'il sortait par l'autre côté. Ah. Bricade, 5 mules, 5 burritos. Non, mauvaise idée. Comment je resterais sur l'idée de nomination de véhicule? Comme ça, chacun est responsable de son véhicule et c'est très bien. C'est bien comme ça évite. Bah, si t'as cassé ton véhicule et que tu l'as pas réparé avant de le ranger, bon bah, tu peux t'en vouloir quoi, toi-même. Par contre, bon, tu vois, là, chez Ambir, les véhicules sont pas attitrés. Donc, tu prends un véhicule, tu sais jamais ce que tu vas trouver. Quand tu sors un véhicule et que t'as les fenêtres qui explosent, alors tu te dis, bon, le véhicule devrait être propre. Bref, bah, au final, c'est pas en quel état tu le récupères, quoi. Tu sais pas s'il est abîmé ou rien. Un peu embêtant. Bon, un petit 50-50 nominatif. Et tu vois qui veut quoi. Et les derniers qui répondent, s'ils ont pas ce qu'ils veulent, et bah c'est pour leur gueule, hein. Ils attendront qu'il y en a un qui se libère pour avoir ce qu'ils veulent, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Moi, je le vois plus comme ça. Et après, burrito, à part les livraisons, vous en servez pas, hein, du burrito, je crois. Je me souviens bien. Donc les 5 burritos sont pas forcément utiles. Deux à la limite. Oui, après, oui, tu n'auras jamais tout le monde à travailler en même temps, ça je suis d'accord. Ou après, faut vraiment que les gens jouent le jeu. Ouais, quand le véhicule est cassé, faut le mettre sur un canal dédié, tu vois. À ce moment-là, on n'est pas dans les surprises quand on le sort. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises à avoir ça. Canal dédié sur les casses de véhicules. Il y a une entreprise qui a un canal sur les réparations de véhicules, mais les véhicules sont nominatifs. Ouais, ou à ce moment-là, mettre un canal. Tu sais, bon, comme tu as le nom déjà qui s'affiche forcément avec le message. Ils mettent véhicule Intel sorti, véhicule Intel rangé, et si c'est pas marqué comme quoi le véhicule est cassé, bah tu as une trace derrière. Hein. Après, faut que ça joue le jeu aussi, quoi. De toute façon, peu importe ce que tu mets en place, tu auras toujours un con à pas jouer le jeu. Après, je vais faire chez Walt.
lui proposer ce qu'on vient de parler là. Le canal. Le canal véhicule. On va voir ce qu'il en dit. Ah, il y a une report flotte de fait. Donc, clairement, tous les véhicules sont comme deux. Parce que le champ va être aussi généreux que depuis le début de la matinée. Ah, s'il m'en donne 10, c'est bon ça. 7. Salaud! Un salaud! Allô? Oui, bonjour, monsieur Walt. Oui, Sean à l'appareil. Oui, t'as reconnu. Ah bah oui, mais on sait jamais. Putain, je suis débile. Monter dans mon camion, je le ferme à clé. Ouais, alors on ouvre la clé, puis on monte dedans et on évite de casser la fenêtre. Mais non, mais j'étais au champ, donc quel intérêt de fermer la clé, surtout? Je sais pas. Mais je sais pas, je pense que vous m'avez perturbé. D'accord. Non, je voulais vous appeler, parce que j'ai une idée. Vous êtes bien représentant des employés suppléants. Oui, je voulais vous proposer une idée. Pour les véhicules, quand ils sont cassés, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un canal sur l'intra Discord pour prévenir quand ils sont cassés, pour éviter qu'on les prenne pour rien? De quoi? Tu veux pas remplir le fichier que je t'ai dit hier là? Je suis un peu occupé avec des officiers de police là. Comment ça? Tu veux que je vienne te sortir de là? Mais non,
Mais j'ai juste fait le message d'entreprise de sécurité, c'est normal qu'ils sont là, c'est tout, ils font leur boulot. Ah, je croyais que vous aviez fait des bêtises. Mais non, mais ouais, d'accord. Ton idée là, tu veux pas plutôt remplir le fichier, s'il te plaît? Je sais pas comment formuler ça par écrit, donc quand je vois, quand je vois, je vous en reparle. Oui, si tu veux. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bon... Connard. Ah, il aime bien me raccrocher la gueule, je sens foiré. Ah, c'est dommage, j'étais avec la police. En même temps, il est représentant des employés. Hein. J'ai pas envie de remplir leurs documents en fait. Il y a suffisamment de documents en RP déjà. Donc s'ils nous en rajoutent pour donner des idées, faire des remontées, machin. Il a bien dit, c'est quand on n'est pas présent. Ah, t'es présent. Donc voilà. Merde. Bosse un peu. Eh, faut se dépêcher à transfo. Je crois rarement parce que t'as l'année, je fais tous mes dons du sang à chaque fois, il faut pas avant 8 heures. Donc... Toc toc toc, bonjour, c'est le marchand de sable. Sable, j'ai pas besoin de sable. Ah non, mince, c'est pas du sable que j'ai récolté, c'est de la terre. J'en ai un petit peu sur mon houblon. Comment ça va? Bah ça va et toi? Super bien et toi? Ça va, ça va. Eh, félicitations pour la radio, hein. Moi, je me sentais moins seul sur la route. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ah bah ouais. On a des gens que je n'accuse pas du tout. Non, comme ça, j'accuse personne. Du genre à votre droite, voilà. Ou votre deuxième gauche. Oui, c'est ça. Donc maintenant, en face de vous. Responsable en plus, hein, pas employé, qui sait pas et tout. Juste responsable. Non, faut jamais... La radio est obligatoire pour les livraisons. À côté, c'est au bon vouloir. Faut jamais rappeler à un chef qu'il est chef. Je note, le chef n'a pas de bon vouloir. Ah ouais, d'accord. Vous avez tous les deux fini? Ouais. Bah du coup, moi, je vais aller livrer. Je vais déplacer le camion. C'est à la place. Mince, on m'appelle. Oui, monsieur Walt. Ouais, excuse-moi d'avoir raccroché comme ça, mais l'officier de police est en train de se les cailler dehors. Et pourquoi il se les caille dehors? Il pouvait peut-être rentrer dans la supérette. Je sais pas, j'étais au téléphone avec toi, il voulait pas rentrer, voilà. Bah non, mais faut lui dire rentrer au chaud. À ce moment-là, il passe pas la porte, de la réserve. Et ouais, il est pas très intelligent cet officier-là. Bah, il voulait pas déranger, c'est tout. Bah, c'est poli, mais c'est pas très intelligent. Oui. Bon, c'est quoi ton idée de merde, hein? Mais non, c'est pas une idée de merde. Bah si, j'ai pas compris. Donc pour l'instant, c'est une idée de merde. Non, ça, c'est toi qui es pas doué alors. Puis quand j'aurai compris, ça sera moins une idée de merde. Ce sera une idée fabuleuse, tu verras. Alors, imagine. Oui. Tu prends un camion. Oui. Tu travailles avec. Oui. Tu peux pas le réparer parce que les garages sont fermés. Alors pour ça, tu mets un petit message dans Ambir. Oui, mais le... Que le camion, il est cassé. Le problème, c'est que hier matin, j'ai pris deux camions... Mais... Tous les deux étaient cassés et tous les deux étaient sales, donc je les ai rangés et puis voilà, point barre. Mais,
Si j'avais été prévenu, j'aurais pas été obligé de les sortir. Oui, mais est-ce que c'était uniquement les vitres qui étaient cassées? Bah, les vitres étaient cassées et les camions étaient sales. Donc pour moi, ils Oh, étaient très cassés, j'ai même pas essayé de rouler avec. ça veut rien dire. C'est juste des collègues de merde qui savent pas réparer leur camion de merde et nettoyer leur camion de merde. Je suis tout à fait d'accord, mais si on avait un canal dédié pour dire ça, parce que après, dans le canal Ambir, ça peut vite se perdre dans le flux de discussion, vous voyez, s'il y a beaucoup de choses à dire un jour. Ouais, mais c'est pas parce que c'est sale et que les vitres sont cassées que c'est forcément très abîmé et que ça roule plus. Je sais pas, mais avouez que c'est quand même assez désagréable de sortir un camion et que les vitres cassent direct. Oui, mais il faut réussir à faire comprendre à tes collègues que faut réparer les putains de camions quand ils sont cassés et qu'ils sont sales. Bah oui, mais si le garage était fermé, moi je comprends très bien si le garage est fermé. Ah On ben là, sait on met un pas petit en message dans fait. Ambir. On met un petit message dans le bire. Le camion à tel n'a pas pu être réparé suite à fermeture des garages. Ah ouais, mais Mais ils le on font fait pas. passer le message comment? Est-ce que c'est moi qui en parle aux collègues? Est-ce que c'est vous? Est-ce que faut faire remonter la direction pour que eux en parlent à tout le monde et fassent une petite note? Vous voyez, je sais pas. Parce que moi, quand je travaillais en fonderie, dès qu'il y avait un souci sur un problème, on faisait une petite fiche de poste en disant, tiens, telle machine a un souci, il faudrait penser à le réparer ou à appeler un réparateur. Bon, c'était un peu plus compliqué que juste d'aller au garage pour nous, hein, parce qu'en fonderie, on peut pas déplacer les machines comme ça. C'est très très lourd. Oui, alors je vais faire remonter l'info à un des responsables qui est là, il va me dire, ouais, mais ils ont le canal Ambir pour le faire. Bah oui, mais si on leur propose un canal, justement, qui crée un canal dédié comme ça, comme des fiches de poste, et puis hey, un jour, qui nous dit que la fabrication de la machine à fût de bière, elle casse pas, et Question. puis qu'il va falloir faire remonter, on fait comment? Vous voyez, on peut pas tout faire. Après cette transfo, tu vas Bah, aller alors voir ou ça, pas? c'est entre les patrons et... Attendez, monsieur Walton. Oui, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Est-ce que après cette transfo de fût, tu vas aller vendre? Non, j'en refais une derrière, pourquoi? Non, c'était pour Parce qu'il savoir. veut Et rentrer puis ton comme nous on allait camion. vendre, autant on aurait pu faire une vente à 3 et on s'était dit, ça marche. Ah bah non, bah désolé. Pas de soucis, je préférais demander. Vas-y, Walt, je t'écoute, excusez-moi, il y avait Le le problème chef de. qui me parlait. Le problème de fût, là, enfin de machine à fût, c'est entre les patrons et les fabricants. Bah oui, mais C'est. Voilà. Si par exemple c'est sur nous que ça tombe, qui casse entre nos mains, faut bien le faire remonter, vous voyez. Dans ce cas-là, t'envoies un message au patron. Alors. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que les machines ont l'air de très bonne qualité, donc je pense qu'elles vont pas tomber en panne de sitôt. Mais les véhicules, c'est quand même des objets mouvants, ça bouge, en plus on est entouré d'autres véhicules. Des fois ça conduit pas toujours bien. C'est plus sujet à risque d'être en panne qu'une machine. Ouais, je vois ton idée. Comment je vais faire remonter ça, hein? Bah voilà, vous voyez, c'est pour ça que je préférais t'en parler. Plutôt que de faire tout un blabla, je sais pas quoi, comment, là, avec le formulaire. Puis je sais même pas si ce serait passé, parce que déjà, même en expliquant, c'est compliqué à comprendre. Alors. Ouais, mais le formulaire passe d'abord par nous avant de passer par la direction. On fait une purge. Bah, je sais bien. Et puis tu m'as dit le formulaire, faut l'utiliser quand vous n'êtes pas disponible, qu'on n'arrive pas à vous avoir. Là, t'es disponible et j'arrive à t'avoir. Oui. Et c'est, tu veux faire remonter ça anonymement. Ah oui, bah j'ai pas besoin, pour moi c'est une bonne idée, j'ai pas besoin de le faire anonymement. Oui, bah, je vais voir avec un de la direction qui est là. D'accord, oui, je crois que c'est Mathias. Ouais. Et verra bien. D'accord, très bien. Eh ben merci Walt. Bonne vente à toi et à plus tard et bon courage à vous. Merci, de même à toi, sois prudent. Merci. Ouais, vous, toi, putain, mais moi j'arrive à mélanger les pinceaux, mais c'est très drôle.
Moi, je m'éclate à l'embêter avec ça. Mais j'ai cru que la conversation deviendrait interminable. Hein. Clairement. Hein. Ah mince, le chef il a le téléphone. Tu t'embêtes tant que ça. Non. Ah d'accord. On va pas te laisser là avec ton camion. Oh, tu sais, hein. Pas comme si j'avais un petit peu d'avance, quoi. J'ai déjà fait une vente aujourd'hui. Hein. Ah oui. Bah oui. Mais tu te lèves aux aurores? Je me suis levé un peu plus tard qu'hier. Bah ouais, mais quand t'arrives plus à dormir à partir de 2 h du matin. Oui, mais il faut dormir la nuit. Mais je dors la nuit. Je Deux m'endors heures du quand le. matin, c'est encore la nuit, hein. Je m'endors quand le soleil se couche. Après, je me réveille quand je me réveille. C'est pas de ma faute. En moyenne, je fais des journées de 25 à 26 heures. Voilà. Attends, ça marche pas. Mon Comment tu cycle fais? C'est quoi ton secret? de sommeil est de reboot à zéro. Et mon point zéro n'est pas sur 24 heures comme beaucoup de monde. Ah, c'est genre tu changes d'heure toutes les nuits. Ouais, pratiquement, ouais, si tu veux, ouais, je fais. C'est incroyable. Je veux ce super pouvoir. Ouais, non, je te garantis, tu le veux pas. Vraiment. C'est très compliqué. Parce que Donc c'est quand même. quand t'es en inversé de tout le monde, tu vois, par exemple, tu t'endors, allez, on va dire 8 heures. Tu te réveilles, il est 19 heures. Juste pour aller faire les courses, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Puis des fois, ça peut durer des semaines. Et t'arrives plus à décaler. Qui Quoi? m'appelle? Oui, monsieur Walt. Ouais, j'ai à faire monter ton truc là. D'accord. La réponse est non. Pourquoi? Parce que t'as le canal en mire pour mettre si ton camion il est abîmé ou cassé. Et l'air est pas fort, on fait tous les 2 jours. Ouais, bah j'ai vu, oui. Donc voilà. Ah d'accord. Bon bah au moins j'aurais proposé l'idée. Ouais, voilà. Eh, vaut mieux proposer plutôt que de garder ça pour soi et dire c'est de la merde. Hein. Ah, c'est sûr, ce genre Eh. d'idée, tu peux aussi la remonter toi-même. Hein. T'as pas forcément besoin de passer par la représentant employé. Ah oui, mais tu m'avais Et ouais, dit c'est bon. c'est bien de remonter par vous, donc voilà. Oui, mais tu peux aussi remonter par toi. Et si tu vois que t'es pas écouté ou quoi, t'hésites pas à passer par nous. D'accord, ok. Bah oui, Bien. sinon c'est nous qui allons prendre tous les florilèges, hein. Ouais, c'est très bien, t'as fait ça. Oui, mais c'est passé par quelqu'un d'autre d'abord. Ouais, mais avoue que c'est agréable. Avoir une reconnaissance, ah, oh, c'est trop 71, bien. 69? Justement, donc, si c'est moi qui ai toutes les reconnaissances et que toi t'as rien. Ben moi, ça me dérange pas, ça me fait plaisir d'aider. Plaisir d'aider, joie de recevoir, tu connais? Mais j'estime aussi que tu peux aussi avoir ta part de reconnaissance, si tu fais remonter une bonne idée. Je croyais que vous alliez dire la part du gâteau. Je suis pas Non, très gâteau, moi. ça fait grossir les gâteaux. Je suis plus glace au chocolat, c'est meilleur. Oui, ben, on peut, mais celle-là, Ouais, je ça les pense qu'on laisse peut pour les l'après, grossir. mais... Ah ouais, mais c'est trop bon. Ouais, mais je tiens ma ligne. Bah ça va, t'as de la marge. Tu rentres encore dans du 46. Ouais, mais je suis pas bûcheron, donc je fais pas beaucoup d'exercices. Ouais, c'est vrai, j'avoue, si tu continues à manger comme ça, le mois prochain, t'arrives à Ok. 48. Voilà. Pas dire que la brasserie, quand même, ça fait beaucoup d'exercices, quoi. Ah bah moi, pour l'instant, ça va, je rentre toujours dans mon 34. Ah bah c'est bien.
Bah, bon, en même temps, j'ai jamais été gros et dans la famille, on n'est pas gros, donc Et niveau on a de la chapeau, chance. tu prends quoi comme taille? Je prends taille grosse tête. Est-ce que je me doutais? Comment ça? Oh non. Beaucoup de cheveux, quoi. Ah non, j'ai pas beaucoup de cheveux, ils sont assez fins. Oui, mais ils sont fins, mais t'en as beaucoup. J'ai peur de mal comprendre ce que tu es en train de dire. C'est pas grave, c'est Ginette qui m'a dit de dire ça. Maintenant, S'il y a eh. un problème, c'est avec Ginette qu'il faut voir ça. Mais non, elle est toute gentille, Ginette, avec moi. À chaque fois, elle me fait bonjour, un grand sourire. Et elle aime bien essayer vouloir m'offrir des barres de chocolat, mais à chaque fois, je refuse. Ah bah ça doit être ça, alors c'est parce que tu refuses les barres de chocolat. Ah oui, mais j'aime pas ça, les barres de chocolat. J'aime que les glaces au chocolat. Ah bah dis-lui, elle va peut-être acheter des glaces rien que pour toi. Moi, je lui ai demandé des canettes de cola là sur l'étagère et elle m'a mis des canettes de cola. Hein. Non mais je lui ai déjà dit comme quoi je préfère des glaces au chocolat, mais elle m'a dit bah va voir ça avec le Black Cat. Ah, ça c'est pas cool ça. Il était légèrement énervé, je crois, quand je lui ai dit ça. Mais je pense qu'elle a oublié parce que depuis elle est toute gentille quand même. Ah ouais, mais c'est pas la couverture qui fait le livre, hein. Ah bah oui, parce que entre les couvertures de livres, il y a les pages de livres. Sinon, tu Oui. lis quoi? Tu lis que les couvertures? Ah putain, c'est dommage. Puis chez moi, les couvertures, c'est pour me servir à tenir chaud quand je suis en nuit, quand je fais dodo. Ah oui, non, pas ce genre de couverture. Ah d'accord. Ah bah je comprends pas alors. Tu parles de quelle couverture? La partie cartonnée du livre. Ah, ça s'appelle une couverture. Bah oui. Et Elsa, retour sur Radio T'as la Empire. couverture de début, t'as la couverture de fin. Ah ouais, moi j'appelle ça Super, la je suis pas première sûre que page. Si, je suis là, mais je suis au téléphone avec Walt. Quand même, on se calme avec les collègues là. Hein. Non mais oh. Mais non, mais c'est Elsa. Elle fait un petit message radio, je l'entends dans le camion. Mais comme je suis au téléphone avec toi, je vais pas répondre, je suis pas mal poli. Et puis juste après, elle fait, ah bah super, il y a encore personne sur la radio, donc je lui dis comme quoi je suis au téléphone avec vous. Ah ouais d'accord, tu utilises la radio. Ah bah oui. Et bah, tout à l'heure, quand je suis allé récolter, je l'ai croisée sur la route. Et je fais, coucou les collègues sur la radio. Et bah, elle a fait, oh trop bien, enfin quelqu'un qui utilise la radio. Ah bah ouais, a priori on n'est que deux à utiliser la radio. C'est fort probable, oui. Ah bah ouais. Ah ouais. Bon sinon pour revenir à nos livres. Non moi là, ce que toi t'appelles la couverture, moi j'appelle ça la première page de livre. Alors, t'as la couverture de début, t'as la première page, puis t'as les chapitres, puis t'as la couverture de fin, quoi. T'as la page de fin et couverture de fin. Comment ça, il y a les chapiteaux? Mais c'est Alors, les quoi un chapitres. chapiteau? Les chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ah, c'est comme au théâtre, c'est les entr'actes. Ouais, si tu D'accord. veux. Genre, tu veux lire un gros livre, et tu lis le chapitre 1, puis tu fais une pause, quoi. Donc, ouais, ça peut être ça, ouais. C'est les Ah entr'actes, bah quoi, si tu oui. veux. Ah bah oui, et dans un livre, faut jamais faire une pause entre deux entr'actes. Hein. Sinon, tu comprends plus rien après, tu sais plus où Exactement. t'en es. Exactement. Et tu veux savoir un truc? Sur certains livres, tu peux avoir une surcouverture. C'est une petite feuille en papier qui relie, qui prend tout ton livre. Ah ouais, le livre, il a peur d'avoir si froid que ça. C'est pour pas abîmer la couverture principale, quoi. Au moins, t'abîmes les poussières, tout ça abîme la surcouverture. Et ton livre en dessous, il est tout nickel. D'accord. C'est comme ce que je mets quand je vais à Sandy Shore. Comment ça? À Sandy Shore, il y a des demoiselles. Je leur donne un petit peu de papier vert et puis elles sont contentes avec ça et elles sont très gentilles avec toi. Oh ouais, non, je suis pas tout seul, moi. Alors, tu devrais essayer, ça Ouais, non, détend. je suis bien tout seul, ouais. Eh bah, hey, moi aussi, je suis tout seul. Mais il faut savoir se faire plaisir. Les boîtes à mouchoirs, c'est là pour ça. Hein.
Ah ouais, mais non, la veuve poignée, au bout d'un moment, Oui, c'est bah dans ce cas-là, tu embêtant. vas sur Amaflouch et tu commandes un petit truc automatique là. Ah bah non, c'est pas pareil. Et tu te mets devant ton grand écran plat chez toi. Et c'est tout bon. Je crois que dans la chambre d'hôtel, c'est une télé cathodique. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il faut ou trouver un coloc ou bien travailler. Bah c'est ce que je fais, je travaille bien, mais je trouve pas de coloc. Oui, mais quand je t'ai demandé si t'en cherches un, tu m'as dit non, je suis bien dans ma chambre d'hôtel. C'est pas très loin, je peux venir à pied au travail. Donc faut Oui, choisir, c'est hein. bien. Faut choisir, hein. C'est ou proche du travail ou bien chez soi. Ah oui, moi c'est bien, moi j'ai pas de frais de déplacement. L'hôtel, ça me coûte pas très cher. Alors, niveau frais de déplacement, tu peux habiter de l'autre côté de l'île. Les taxis, tu les as gratuits. Ouais, alors, comment te dire? À 3 h du mat, ils sont pas tout le temps ouverts. Ah oui, c'est pas mon problème. Eh bah, ça c'est mon problème, donc je suis très bien dans ma chambre d'hôtel. Ah ben, bah, tu choisis d'être proche du travail. Ah bah oui, et puis en plus c'est écologique. Hein. Ouais, si tu veux. Ah bah si. Eh, faut faire attention à notre belle-mère, la planète quand même. C'est pas faux. Bah alors, t'as qu'à essayer de voir avec les patrons pour avoir que des camions full électriques. Oh non, les camions électriques c'est encore pire que les camions thermiques. Hein. Tu crois que les batteries elles sont faites comment? Oh, des petits noirs qui sont payés moins d'un centime Ah du gramme. ouais, alors non, je t'interdis de dire ça. Bah, tu m'as demandé comment elles étaient fabriquées, moi je te réponds. Oui, mais il y a des termes à pas dire. Bah ouais, mais elles sont fabriquées comme ça, les batteries, désolé. Oui, mais il y a des termes à pas dire quand même, ça peut apporter des problèmes, mais j'en veux pas. Ah oui, je te garantis. Ah non, non, faut pas dire ça. Et tu crois que les pièces de ton téléphone, elles sont fabriquées comment? La même chose, hein? Ah non, le téléphone, il est fabriqué en Chine. Ouais, mais les cartes mères et tout ça. Les pour toutes les petites pierres précieuses qui sont dedans. Eh ben, c'est issu de l'extraction mondiale. Mais oui, c'est polluant, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, avant d'arriver ici, ça faisait 7 ans que j'avais le même téléphone. Ah ouais, c'est toi, il est peut-être temps de changer, ouais. Ben non, il fonctionne très bien, comme au premier jour. Pourquoi le changer? Parce que des fois, ça peut-être que. Ça peut Peut-être couper, que. hein. Non, Ah, merde, ah j'ai non, cru non, que j'avais plus non. rien à vendre et pour finir, si j'en ai encore. Eh merde, je viens de péter mon téléphone! Satané Ginette de merde, tu vas commander des téléphones de bonne qualité, oui! Allô? Oui, j'ai presque envie de répondre à un truc, mais je suis pas sûr. Pourquoi Ginette, elle est accroupie derrière son comptoir? Non, mais relève-toi, Ginette. Bah, tu as des problèmes. Tu lui as peut-être fait peur. Ouais, peut-être. Mais désolé. Téléphone de merde, là. Envie de répondre à un truc, mais je suis pas sûr. Bah, quoi que ce téléphone, c'est pas du chinois, c'est du coréen. Bah, peut-être totalement d'accord, ouais. Ah non, moi ça tue en un seul mot 4 lettres. Il y a 2 fois la même lettre dans le mot. Ordure, enfoiré. Ah non. Ça commence par un C. Alors salope, non, il n'y a pas deux fois de. Non. Alors non, ça, salope, ça commence par un S. F. Connard? Oh. Ah, non, il n'y a pas de fois dans le mot, non. Ah non, je t'ai dit un mot en 4 lettres. Ouais, mais je suis nul en français, moi. Je te parle pas en français, je te parle en anglais. Ouais, mais t'as compris quoi, merde. Moyen. En quatre lettres, ouais, Bon, j'ai mon. pour en venir, mon téléphone avait 7 ans, et il marchait très bien comme au premier jour. J'avais aucun problème avec, je pouvais faire tout ce que je voulais. Ouais, mais ton téléphone, il s'est bien mis sur les ondes de l'île quand t'es arrivé. Bah non, quand je suis arrivé, on m'a donné un autre téléphone, j'avais plus mon téléphone à moi.
J'avais plus de contact, j'avais plus rien. Oui, c'est parce qu'il me semblait qu'il est plutôt jeune, hein. Donc ouais, c'est ton vieux téléphone, il a 7 ans, il est pas adapté pour nos antennes. Bah, je pense qu'il est resté vers Las Vegas. Ah bah si, je captais la 4G avec mon ancien téléphone. Ah oui? Ah bah ouais. Hein. Tu t'es fait vacciner de la merde, là? Ah oui. Ah ben maintenant tu vas capter le 5G. Mais non, mais c'est de la merde la 5G. Bah oui, mais maintenant tu vas capter la 5G. Ouais, mais de toute façon, là, les téléphones qu'on a, alors a priori, ils sont bien, ils sont super récents et tout. On peut même pas faire du visio avec. Bah c'est inutile. Pas besoin de visio. Ah bah si. Allez, tu sais pas quoi, à tout ce que ça peut servir, le visio, hein. Alors j'ai pas envie que tu m'appelles et que je suis sur les chiottes. Mais non, mais. Ah, tu comprends pas. Quand t'as besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, mais que cette personne-là peut pas se déplacer, et bah t'actives la visio. Tu prends des photos, tu lui envoies et puis tu le rappelles. Ouais, mais c'est. Ouais. Oui, mais Bah oui. non. Non, bah non. Bah si. Bah non, parce que quand tu dois lui montrer comment ça marche, ou si ça marche pas, bah. Qu'en faisant ça, ça marche, mais en faisant une autre chose, ça marche plus. Bah tu vois, faut qu'elle regarde, faut qu'elle puisse voir en direct. Alors prendre Prouve-moi. 50 photos pour ça, c'est Prouve-moi pas. un exemple. Maintenant, tout de suite, d'un truc que tu voudrais me montrer que tu téléphones avec moi. Si tu veux, je suis en train de creuser le champ. Tu veux voir le beau trou que je fais? Non, j'ai rien à foutre. Bon bah alors, hey, tu vois, j'aurais pu te montrer le beau trou que je faisais. Je suis sûr que tu peux t'en servir comme shot en plus. Tellement il est bien parallèle et tout, il est bien profond, il doit faire une soixantaine de centimètres. Ouais, si tu te dis. Ah si, si, si. Et tu peux faire ta crotte rebouchée, personne ne le verra. En plus, ça fera de l'engrais pour le houblon. Ouais, peut-être ça avec le proprio plutôt. Bah, c'est nous le propriétaire du champ, non? Non, il me semble que la brasserie le loue à quelqu'un. Ah bon? Ouais, parce que les employés qui se travaillent dans le champ, c'est pas nous. Ah bah, vu comment ils étaient habillés, moi je me suis dit, c'est. C'est des Mexicains, ils sont venus sur l'île pour essayer de gagner un peu plus, mais ils y arrivent pas. Oui, c'est totalement ça, mais c'est pas nous. Ah, c'est pas nous, d'accord. Non, les employés qui travaillent là, on ne les exploite pas, nous. C'est pas nous, non. Ah bah, on sait pas, hein. C'est peut-être Piboisseur qui les utilise, parce que j'ai vu des camions Piboisseur. Eh oui, mais nous, c'est un bien. C'est pas la même brasserie. Ouais, au final, on est peut-être un peu affiliés, hein. C'est pas marqué Empire, Peace Blazer juste en dessous. Bah, on a peut-être juste changé notre nom, histoire qu'on soit tranquille. Moi, je dis, faut enquêter. Ah ben moi, sur les fûts que je suis en train de livrer, c'est pas marqué Peace Blazer, hein. D'ailleurs, il y a une belle palette juste derrière moi de Peace Blazer. Bah oui, mais si on a changé le nom pour camoufler comme quoi on fait pas partie de Bipoisseur, eh. Ouais, c'est deux entreprises à part. Ouais, Ouais, moi peut-être je que juste représente pas on se les... masque depuis Boisseur. Et au final, on a peut-être deux patrons. Moi j'en connais que un et j'ai qu'une équipe que je dois gérer. Oui, mais J'en ai pas deux. peut-être que l'autre est caché. Et lui, bah, très bien caché alors. Hein. Ah bah Dans un ça, autre je sais bâtiment, hein. pas. Ah bah je Ailleurs. sais pas. Après, nous, on est peut-être juste une annexe et pas la maison mère. Eh, on Peut-être sait pas aussi. non plus, hein. Tu sais, je suis sûr, on nous cache beaucoup de choses, hein. La théorie du complot, moi, j'y crois, hein. Avant. Ah bah oui. On nous dit que les extraterrestres, ils existent pas, mais moi, j'ai déjà vu des choses voler qui devaient pas voler, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Il y Tu a. fumes, tu prends quoi le matin? Mais je fume pas. Il y a 2 jours, j'étais sur la route avec mon vélo. Et bah, juste derrière moi, à une seconde près, je me faisais écraser par 2 voitures qui tombaient du ciel. Et promis, j'ai rien fumé. Ah bah oui. Je suis à deux doigts de rappeler les patrons. Hein.
Ah, t'as un truc à leur dire? Bah attends, je te laisse. Appelle-les bien. Ouais, mais c'est peut-être... Oui, allô? J'allais dire, t'es peut-être pas dans ton bon sens. Ah, c'est pour moi que tu fais les appeler. Bah, voir deux voitures voler, ouais, c'est dangereux, quoi. Mais elles ont pas volé, elles ont atterri juste derrière moi. Je suis sûr, elles voulaient m'écraser. Mm-hmm. Ah bah oui. Ouais, voir des trucs voler, ouais, c'est dangereux pour nous, non? Ah bah ouais, mais je sais pas, moi. Eh, hey, c'est comme il y a quelques jours, ils entendaient des choses bizarres. Ouais, c'est le truc bidule 22, là. Oui, c'était KK21 qui faisait ça, ce qui paraît. Mais moi, j'ai pas eu plus de symptômes que ça. Bah, tant mieux pour toi. Donc, est-ce que les fous, ce serait pas eux, là, qui s'amusent à acheter des voitures de très très haut, de façon à ce qu'on voit pas leur soucoupe volante? Puis qui nous les jette dessus après. Mmh. C'est peut-être ça. Hein. Ouais. Ah bah tu sais, on sait jamais. Hein. Faut se méfier de tout. Hein. Ah, putain, j'ai le soleil en pleine gueule, je vois plus rien. Ouais, mets des lunettes de soleil. Ah c'est bon, j'ai plus le soleil en pleine gueule, je vois quelque chose. Mais non, mais il y a le soleil, il y a l'horizon. Donc, lunettes de soleil ou pas, bah c'est pareil. Et en plus avec le brouillard, oh là là, ça te reflète dans les yeux, c'est une horreur. Allez, c'est la saison, bientôt la neige. Comment ça, bientôt la neige? Il neige ici? Bah, comme partout sur la planète, quand c'est l'hiver. Hein. Ah bah non. Allez, c'est pas une île tropicale, hein. J'ai déjà visité des régions sans que ce soit tropical, l'hiver il neige pas. Hein. Ah bah moi ici on m'a dit, quand il neige... La neige, elle monte jusqu'en haut, jusqu'au genou. Ah ouais? Ah ouais. La neige, elle monte jusqu'au genou. Bah ouais, et après, c'est drôle quand tu roules avec les véhicules. Ça glisse partout. Bah normal, c'est de la neige. Oui. T'as pas fait l'école de Saint-Cyr, toi, ça se voit, hein? Vas-y, continue. Aggrave un peu ton cas. Comment ça, j'aggrave mon cas? Ah ouais, bah non, mais c'est... De toute façon, c'est logique que ça glisse sous la neige. La neige, ça glisse. Bah oui. Bah oui, mais pourquoi tu me dis que ça glisse alors? Je le sais que ça glisse, la neige. Alors, tu vois, si t'as de la neige, mais t'as pas de verglas en dessous, ça glisse pas forcément. Alors, je te garantis qu'à un moment, ça glisse. Hein. Parce que quand t'as les chaussures qui sont bourrées de neige, même si tu marches de la neige sans verglas ou glace en dessous, et je te garantis que ça glisse. Hein. Ouais, tu mets des chaussures de ski avec des petits clous en dessous. Ah, même avec des clous, je te garantis, ça peut glisser. Bah, tu mets des clous plus grands. Même avec des clous plus grands, je te garantis, ça peut glisser. Ou alors des chaussures auto-chauffantes. Ouais, alors là, tu fais trois pas en une demi-heure, hein, parce que le temps que ça chauffe et que ça fasse fondre la neige autour de toi... C'est vrai. Sur un mafloucha, j'ai vu une veste et des gants et des chaussures qui étaient auto-chauffantes. Ah, ça doit consommer des batteries, hein. Bah, tu le mets sur un groupe électrogène. Ouais. Ouais, si je me promène à pied dans la rue, j'ai peut-être pas envie d'avoir un groupe électrogène derrière moi. Bah, tu le traînes sur un traîneau. Ça ne règle pas le problème. Ah bah ouais, mais je te garantis que tu serais tranquille en autonomie. Hein. Ouais, mais il faut besoin de batterie. Il faut bruit, c'est vrai ça, quoi. Oh non, maintenant ils font des groupes électrogènes très silencieux. Ah, ou alors essayer de voir du EcoFlux. Ah, peut-être que ça, je peux aussi l'avoir, mais alors faut le recharger après chez soi. Ouais, mais les batteries avec le froid, c'est pas la meilleure idée. Au niveau autonomie, tu perds beaucoup. Ah oui. Ah oui. Mais en plus, si je mets un petit panneau solaire au-dessus de l'EcoFlux, là, c'est auto-rechargé directement. Ouais, sauf que la période hivernale, c'est pas là où t'as le plus de soleil pour recharger ta batterie. Hein. Donc si tu consommes plus que ce que ta batterie peut reprendre avec le panneau solaire, bah à mon avis, tu vas pas durer longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai. Ou alors essayer d'avoir une roue dans l'eau, mais alors c'est uniquement se promener le bord de plage. Oh, il te faut un hamster dans une roue. C'est bon, on a trouvé la solution. Ah, un petit hamster sur... Ouais, mais il va avoir froid, le hamster.
Non, tu le mets à côté du moteur, comme ça il a chaud. Mais oui, mais si c'est du Ecoflux, il n'y a pas de moteur. Ah bah oui, c'est vrai. Ah ben J'avoue, là, oui. j'ai pas été intelligent. Ah oui. Donc il va avoir froid, le petit hamster. Eh bah, tu lui mets une petite couverture chauffante et que tu branches sur la batterie. Encore un truc à mettre sur la batterie. Ah bah, vu la taille de l'hamster, ça devrait pas consommer grand-chose, hein. C'est vrai. Ah bah oui. Eh, hey, on a tellement de bonnes idées, on devrait se mettre ensemble pour étudier. T'as quoi comme niveau d'études, toi? Attends, je regarde mes diplômes. Portefeuille, ici. Et diplôme. Alors, restaurateur, chasse, pêche, convoyeur, police, droit et brasseur. D'accord, mais ça me donne pas ton niveau d'études. Ça, c'est juste des diplômes, mais avec un peu de jugeote, tout le monde peut les avoir. Mais c'est quoi ton niveau d'études? T'es allé jusqu'à quelle classe? J'ai fait beaucoup de classes vu que j'ai beaucoup de diplômes. Mais non, mais essaye pas de m'embrouiller, je sais que t'essayes là. Ah non, j'essaye pas, non. Ah Tu bah te si. demandes combien de classes j'ai fait? Bah, j'ai fait beaucoup de classes vu que j'avais beaucoup de diplômes. Déjà, est-ce que t'as ton baccalauréat pour pouvoir aller à la fac? Bah, je crois pas qu'il y a ça à Los Santos. Oui, mais avant d'arriver à Los Santos, t'avais quoi comme diplôme? Vu tout ce que tu m'as cité, j'ai l'impression que les diplômes sur l'île sont bien faciles. T'as un signe ou quoi là? Bah non, mais ça fait quand même beaucoup de diplômes pour un seul bonhomme. Et Bah je peux encore en avoir plus si tu veux. t'as quel âge? Bah, ça te regarde pas ça. Et t'as quel âge? Eh, moi j'ai 45 ans, tu vois, maintenant tu connais mon âge, tu peux me donner le tien. Regarde pas ça. C'est même pas drôle. J'en ai 22. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Merde, là, les flics. T'as fait des conneries? Non, t'as dit 22. Ouais, d'accord. Oh, 22, là, les flics. Là, tu connais pas, d'accord. Je travaille pas dans la rue, non? Oh, il y a encore un policier. Je te laisse, je te rappelle plus tard. Ouais, d'accord, bon courage à vous. Ouais. Ah bah, il a pas l'air très doué, lui. Pourquoi t'as ça? Le représentant des employés, là. Il a 22 ans, il a je sais pas combien de diplômes, mais il sait pas jusqu'où il est allé à l'école. Maman, mais t'as peut-être menti surtout, moi. J'ai l'impression, ouais. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai l'impression d'être plus intelligent que lui. Mais pourquoi faire d'un diplôme? On était en train de parler de beaucoup de choses, et puis je me suis dit, bah tiens, on va créer quelque chose, tu vois. Il Moi. faut voir le niveau d'études de la personne. Il savait Moi. même pas quel niveau d'études il avait, il a dit, ouais, j'ai plein de diplômes. Mais vu tous les Moi, mais diplômes c'est qu'il quoi tous ces avait, diplômes? bah, il a un diplôme de restauration, un diplôme de police, diplôme de brasseur, je crois qu'il y en a encore d'autres, mais je sais pas. Moi, c'est pas à manger, quoi. Bah voilà, c'est ça, si c'est juste faire cuire des pâtes, bah ouais, bah moi aussi Bah ouais, je moi je l'ai sais le demain le faire, moi aussi diplôme, j'ai un hein. diplôme, moi aussi ça. Ah Je sais bah même faire cuire des voilà. steaks. Ah ouais, ah toi tu dois être archi diplômé Bah ouais, alors. mon gars. Ouais, faut bien ça. Après, tu sais, j'ai grandi à Sandy, il n'y avait pas d'école. T'as grandi où? À Sandy Shore. Ah ouais, t'es natif d'ici, toi? Moi. Ouais, t'es le premier que je. Ah ouais? Que je rencontre qui est natif d'ici. Mais tu pouvais pas aller jusqu'à la ville pour aller à l'école? Ah non, je travaillais dans la caravane. Ah d'accord, et tu faisais quoi dans les caravanes? Moi, on vendait des caravanes avec mon frangin et mon père. D'accord, ah oui, t'étais caravaneur. Moi, caravanier, on dit. Ah, c'est caravaneur, Moi. excuse-moi. Et après, j'en avais marre, on s'est barré avec mon frangin. Ah ouais, vous êtes parti où à Paleto? Non, à Los Santos. D'accord. Et donc après, c'est là où t'as décidé de rejoindre Ambir, c'est Moi, ça? c'est ça, moi.
Ah ouais, tu bois trop Bah ouais, fort, il je te fallait ferais bien manquer. travailler un peu pour manger. Ah bah oui. Je préfère manger pour faire caca. Ah oui, et puis après que t'as fait caca, il faut remanger, parce que Bah sinon c'est tu peux ça, pas moi. refaire caca. Enfin, toi t'as un bon, t'as tout compris. Ah bah je suis pas très diplômé, mais je suis intelligent, hein. Bon, ça se voit, moi. Ah bah oui. Oh putain. Oh, je suis en train de me fatiguer tout seul. J'avoue là avec Walt, on déboîte. Là. Et donc toi qui connais bien l'île, dois bien avoir Ouais. quelques petits secrets, l'île. Ah bah ça je peux pas te le révéler hein. Ah bon, il n'y a pas des Bah non, t'es petits un endroits étranger. secrets là à aller visiter ou autre que personne connaît. T'es moi je suis Bah nouveau t'es un sur l'île. étranger, donc pas loin. Pas un étranger. Bah si, tu viens d'ailleurs. Bah non, mais je suis pas un étranger, regarde, je m'appelle Sean. On travaille dans la Non. même entreprise, je suis pas un étranger. Ouais, mais je te connais pas assez bien encore. Ah bah d'accord. T'inquiète pas, peut-être plus tard si je t'aime bien. Ah bah oui, ah bah tu vas bien m'aimer. Oh l'enfoiré. Un coup de taquet, toi. Je sais pas qui c'est lui d'ailleurs. Ah si, c'est Bobby. Bobby Mendez. Bon, en même temps, il y a eu une partie de notre conversation. Il a dû dire putain, en vrai, lui. Voilà, je retourne au champ tout à l'heure. Bah ça marche, bonne récolte à toi. Un peu de cap, ça fait du bien. Alors, il y en a un dans le coffre. N'y en a pas. Mille cinq cent cinquante.
Nick, l'heure 10h45, et bah juste le temps de faire la vente et après. Je couperai le live et j'irai manger. Peut-être qu'il y aura un live cet après-midi. Ah bah non, il n'y aura pas de live cet après-midi, ce que je suis. Et ouais. Et merde. 90 tout film. Mais non, pas 90. 60. Donc là, il m'en manque 20. Bon, je vous le dis, hein, mais à un moment, la parole qu'a eu Watt là, sur l'extraction des minerais pour les batteries, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, surtout la formulation qu'il a donnée. Pas trop mon délire dans le sens. Donc j'espère qu'il a compris que ça se disait pas. Donc les deux là sont pleines. Ah, tiens, allez, l'omino.
ça, on va embêter le CSP un petit peu. Avec non, je me remplirai au maximum. Direction vente Palomino 7355. Et bonne vente. Et merci, c'est gentil. Mais c'est moi, vous étiez deux sur la radio en même temps. Je sais pas. Ah, j'ai cru entendre deux voix en même temps. Et vous, vous en êtes où? Là, on est en train de changer de supérette. D'accord. Ça avance pas, ce machin là. Le yellow.
Alors. Nickel. Bonjour Madame Ginette. Oh oui, c'est les mêmes messages que du lac faisait. D'accord. Alors. Ouais, et l'air de stagiaire. J'ai oublié de prendre des médocs. Ah, oh, super. Non, mais je suis con, je me suis planté sur les cantines. Bah, tant pis, on achètera de l'eau, hein, puis c'est tout.
Merde. Ouverture de mes services.
Pardon. Et coucou Spirit, comment vas-tu? Merci pour le follow. Oh, ça va, tranquille. On fait une petite vente là. Une petite vente. Bon gros camion complet. Ça va prendre un peu de temps. Ah ouais, il est bien, ouais. Après, chacun son type de serveur, quoi, tu vois. RP. RP. Bon RP un peu énervé. Tu peux quand même faire de la. Dire des conneries et faire des conneries, mais il faut que tout soit RP, quoi. Peux pas faire n'importe quoi. Ouais, tout dépend ce que tu cherches. Toujours ça la question.
Alors, si tu viens là pour faire de la pub, je t'invite à partir très vite. Et surtout de ne pas aller sur tous les lives, non, sur tous les streamers qui live 21. Et tu vas vite être reçu. Hein. Ouais, mais non, pas de pub de ce style-là sur les streams qui jouent à 21. Allez, ça va pas l'air de comprendre. Bonne soirée. Je pense qu'il y a de compliqué quand on vous dit faites pas de pub pour votre serveur. Compliqué, hein? Et pas besoin de faire de demande de débat, non. On n'aura pas. Hein. D'ailleurs.
Et bonjour. Et bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, vous. Ça va, ça va. Je m'attendais pas à voir quelqu'un, j'ai pas vu votre camion dehors. C'est normal, il est caché. Non, il est sur les places de parking. Ah, d'accord. Ah bah oui. Je vois, je vois. Je Et allez, la plume. Mais ce que je pensais, les gens ne voient pas là. Camion quand il est sur le côté. C'est terrible ça. Apparemment, il y a des médecins qui seraient intéressés pour aller chez les pompiers. Je vais avoir de médecin. Comment ça? Le dernier article du Weasel, la fin précise que plusieurs médecins auraient déjà montré leur intérêt pour ce nouveau service. Voulez pas être pompier, vous, monsieur? Bah non, je viens d'arriver chez Ambir, ce serait mal vu. Après, regard des gens, vous savez, pas très important. Ah bah si, quand même, faut jamais décevoir son prochain. Ouais. Non, les Merde. pompiers, je suis pas sûr que je puisse le faire de toute façon. Ah ouais? Attendez, j'arrive. Ok, gauche. Ah ouais, ça cherche à faire délocaliser quoi. D'accord. Alors. Weasel News. Il a vu ça où lui? Okay. Vous disiez, vous pourriez pas faire pompier. Bah, je pense pas. J'ai la phobie du sang. Ah oui. Donc je pense que c'est compliqué. Hein. Imaginez, incident. Pas sûr que je sois fait pour ça. Pourtant, ça me plairait bien. C'est vrai que sur les accidents de voiture, ça peut être assez Ah bah oui. c'est vénère. Même si on a tout l'équipement maintenant avec les airbags et tout là. Et il y a des fois, si ça tape vraiment très fort, à mon avis, ça doit être un airbag ou pas airbag. Hein. Moi, je pense, ouais, effectivement. Bon.
Et vous, vous voulez pas y aller? Bah, j'ai hésité avec, avec mes potes, les frères là, on aurait pu être trois pompiers là, ça aurait été incroyable. Mais on commence à avoir des responsabilités à Human, donc on n'a pas trop envie de partir. Puis on se sent bien à Human, c'est Ah notre oui, vous famille. êtes human. Bah, oui. Ah ouais, c'est vrai que quand on a des responsabilités, c'est bien aussi. Bah, c'est que ça fait quelques mois qu'on y est. Enfin, j'en ai un de mes frères, ça va faire 1 an qu'il est là. L'autre, ça va faire 7 ou 8 mois. Moi, ça va faire 10 mois que je suis là. Ah oui, ça commence à faire. Bah, c'est qu'on s'est beaucoup investi dans l'entreprise, donc ça fait chier si on s'en va comme ça. Bah oui, je comprends. Je change de couleur toutes les 30 secondes, ce machin là. Vous avez dit, vous venez d'arriver sur l'île? Oui, ça fait un peu plus d'une semaine. Pourquoi vous êtes allé en bien? Au début, j'avais donné mon CV au taxi. Ok. Ils étaient complets. Ils m'ont dit, bah, allez voir à Weather News, ils recherchent. Allez voir à Weather News. Entre-temps, il y a eu la pandémie, là. Ah oui, la semaine dernière. Machin 21, là. Juste après la pandémie, j'avais toujours pas de nouvelles alors qu'ils avaient dit qu'ils me recontacteraient. Donc j'ai envoyé un message, entretien d'embauche. Bah non, on vous prend pas. Bah ouais, mais dis-le, tu me dis Super. que tu viens vers moi, je sais pas, un minimum de politesse. Bah oui, Et comme j'ai réussi à trouver une petite chambre là à Paléto, juste à côté de chez Ambir. Et bah, quand je suis passé devant et que j'ai vu du monde, je suis allé les voir et puis, et bah, il n'y a pas de souci, nous on vous embauche. ah bah nickel, hein. Bien ça, t'as déjà Ah eu. bah oui. Bah c'est cool ça en plus, vous habitez juste à côté du taf. Bah oui, j'ai C'est même déjà pas rapide. besoin de prendre la voiture. C'est trop bien. C'est pratique quoi, hein. Bah Effectivement. oui. Surtout au début, on a souvent besoin de sous, tout ça, donc on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est pas mal. Ah ouais. Moi j'aime bien, moi. Cette vue-là pour l'instant me convient très bien. Ouais, va falloir que j'achète de la boisson, hein. J'ai net. Et vous, pourquoi vous êtes allé à Human? Moi j'étais à la scierie et je sais pas, j'ai vu que les recrutements étaient ouverts à Human sur un truc qui s'annonce Blind County. J'avais juste envoyé un message à Human. Au final il m'a dit qu'ils avaient plus de place, que ça avait déjà été rempli. Ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire ouais, on a une place qui se libère samedi si ça vous intéresse. Pour passer un entretien, tout ça. Donc j'avais passé l'entretien. On était trois à avoir postulé, au final c'est moi qui ai été retenu.
Et puis bah, du coup, bah, j'ai bien trouvé mon endroit, puisque bah, l'ambiance, tout ça, c'est, ça me correspond parfaitement. J'ai déjà eu pas mal de responsabilités là-bas. Et puis je vais en avoir d'autres, ça va être cool. Hein. Oui, bah c'est bien. Bah, félicitations à vous. Ouais, donc j'ai enfin, surtout rencontré pas mal de gens là-bas qui sont devenus très importants. Donc, c'est pour ça, je donne beaucoup à Human, mais pas tant pour l'entreprise, plus pour les gens qui y sont. Ouais, de toute façon, il faut être humain avant tout. Oui, c'est sûr. Rien. Pas de soucis. Hop. Oh, fatigue. On dirait qu'il hurle. Oui, non, c'est bien ce que vous faites. Et vous faites quoi en fait, Human? Vous faites que les médicaments pour l'île? Bah alors on fait tous les médicaments. On fait tous les médicaments donc. Alors attendez, je vais remplir les poches, je vous explique. J'arrive. Allez-y. Ouais, je suis très curieux. Du coup, ouais, on produit tous les médicaments pour les services publics, les entreprises et les particuliers. D'accord. Et on fait aussi du coup des kits qu'on vient vendre ici en Supérette également. Et on a aussi un pôle recherche qui fait, bah, enfin, qui est parfois mandaté par les mairies ou autres pour aller vérifier l'état des plages ou l'état de l'air ou des trucs comme ça. Ah, c'est bien ça. Vérifier que l'environnement va bien. Exactement. Et bientôt peut-être plus. Ce pôle recherche est en pleine expansion, donc on aimerait pouvoir notamment faire des contrôles en entreprise ou des trucs comme ça sur l'hygiène ou la qualité des sols, de l'air, de l'eau, etc., etc. Ah oui, alors déjà, s'il y avait des recherches de qualité sur la nourriture, ce serait pas mal, parce que j'ai l'impression qu'on tombe souvent malade quand on mange. Bah c'est après, ouais, je pas qu'on soit missionné, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait. Hein. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà proposé vos services de restauration, juste? Après, ça, c'est le directeur du pôle recherche qui s'en occupe, mais pour le moment, c'était... Excusez-moi. Oui, allô? SASP, bonjour, officier Platin. Oui, Comment bah... se passe votre livraison? Eh ben ça va, j'ai été rejoint par un monsieur de Human Labs. The Human Labs. Eh Ah ben, c'est très bien, ouais. ça vous fait de la compagnie. Ah bah oui, parce que le temps commence à devenir long tout Ah seul oui, ben, là. inercez-le, Ah hein. bah Ouais. oui. Ben, écoutez, on est dans le coin. Si ça se passe mal, petit message et on arrive. Mais pourquoi vous êtes au coin? Non, on Vous n'est avez pas été au coin, puni? on est dans le coin. On n'est pas très loin, quoi. Ah d'accord, j'avais pas compris. Excusez-moi, monsieur l'agent. Ah non, c'est pas un problème, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Hein. Eh ben d'accord, eh ben je vous remercie de votre présence, c'est bien gentil. Eh ben, de rien. Je vous souhaite une bonne livraison et je vous dis à plus tard. Et merci monsieur l'agent, au Au revoir. revoir. Ouais, je croyais qu'il m'avait dit qu'il était au coin, le pauvre. C'est un con pour un policier, hein, quand même. Effectivement, ouais. Non, en fait, il me disait qu'il était dans le coin. Ah, Ouais, d'accord. j'avais pas tout compris. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les policiers se déplacent plus trop en hein, supérette, donc... Ah, je sais
pas. J'ai fait plusieurs appels, mais généralement quand je fais des appels, j'ai l'impression qu'ils sont pas là. À 3 h du matin, c'est compliqué, oui. Oui, effectivement, à sursis, oui, peut-être un petit Ah peu moins bah oui. présent. Reviens. Ça marche. J'ai dû quitter le nettoyage sur moi. Je suis quoi, moi? Le con. Mais pourquoi vous êtes au coin? Oh, j'arrive toujours à trouver une connerie, c'est dingue. Oui, c'était un officier du SASP. Ils sont cool là-bas. Ça a J'arrive. l'air, allez-y. Oh là là. Pourquoi vous êtes au coin? Vif. Pense vive. Bam. Youp. Il y a petite caution.
Alors, va falloir que je crée un truc. Maximum. Hop, là. Alors, vous tournez un rond. C'est ça. Je suis sûr que vous vouliez imiter les animaux. Vous savez, il y en a qui tournent en rond avant de s'asseoir ou se coucher. C'est C'est pas une bonne idée, hein. Non, je vous promets. On n'est plus des animaux, on est quand même assez. ouais, ça dépend de qui ça, mais oui, effectivement. Oui, alors ça, faut pas le dire. Et qui a tes cochons? Et voilà, prochain, c'est du GG. Une nanette. Donne-moi à boire directement, Ginette. Ouais. Merci, Ginette. Vous avez l'air de pouvoir mettre quand même une belle quantité dans votre camionnette. Ouais, on peut mettre jusqu'à 500 kits. D'accord. Je sais pas, moi. Vous avez des. C'est quoi, c'est des fûts que vous vendez, non? Des fûts de Ouais, c'est ça. bière. Ils doivent peser un peu plus lourd que, ouais, que nos petits kits. Alors là, je peux pas vous dire, je vous avoue, j'ai pas pesé de fûts. J'en ai aucune.
Là, vous êtes venu avec quel véhicule? Je trouve pas vu d'ailleurs. Ouais, d'accord. Pardon, Ouais, très bien. excusez-moi, je suis désolé. Pas de soucis, ça arrive. Je Yep. suis venu avec une mule. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça fait un petit moment que vous êtes là. Ah bah oui. Yep. Ah, je suis vraiment Ah bah désolé. ça arrive, pas de soucis. Ouais, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de taper quelqu'un comme ça. Et nickel, donc je crois que moi j'ai fini par contre. Je vais afficher tout ça. 804, c'est tout bon. Ok, eh bien écoutez, c'est une belle journée. Eh ben merci, vous aussi. Bon courage. Courage à vous. Oh, le pauvre, il se fait taper pour rien, là. Oui, c'est pour ça que j'ai tapé. Ok. Ben, faut plus que je fasse de... Le fermeture de fenêtre avant de retourner dans le jeu. Ça marche, ça. Est-ce que j'ai reçu un attrape? Car on s'en fout. J'ai reçu d'autres appels, ok. Après, on va pouvoir aller où, d'ailleurs? Il va m'en rester à peu près 300. Voilà, 10,50. On va dire que j'en ai rempli une, deux, la troisième.
On y a peur, hein. Je crois que j'aurais pas assez sur moi. Hein. Non, bah non. On l'a pas assez. Est-ce que... Bon match. Ah, cet après-midi, j'ai peut-être juste faire la récolte pour demain, là. Demain matin. On en a passé des appels. Mince, il est... Et à tous les coups, il va me rappeler sur... Oui, allô, Allô, Mathias? oui, Oui. salut. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va. Bon, faut juste que je pense avoir le camion avant d'aller dans le coffre. Ah Sinon, oui, ça peut ça aider pour prendre les fluides. va. J'ai une question. Là, ma Vas-y. supérette est pleine. Et comment commence à arriver en journée? Et ton approbation avant, je pensais me finir en 10h50. Est-ce que c'est faisable ou est-ce que je prends une supérette pour me finir? Parce qu'il va m'en rester 150 ou 300, je sais. Tu regardes par rapport au nombre de places qu'il y a dans la supérette. En gros, ce qu'on évite, c'est une qui est complètement vide. Bah, tu Oui, mets pas ça une tu m'avais. demeure, machin et tout. Si tu restes un peu de place, oui, vas-y, n'hésite pas. Oui, ah oui, il reste de la place, qu'elle est en orange. Voilà, tu J'avoue que rajoutes, je ça vais pas fait regarder ça exactement. complète avec ce que tu as et t'as assez de place. Let's go. Faut juste pas mettre une qui est vide à éviter, quoi. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, comme c'était une à côté de la brasserie, Bah, tu peux l'utiliser pour ceux aussi. qui... Bah, non, mais c'est pour ceux qui font que des petites tournées, je veux pas risquer de les bloquer, en fait. C'est pour Bah, ça. souvent une tournée c'est 1200, donc c'est-à-dire qu'on fait souvent au moins une supérette pleine, hein, donc pour D'accord, ça. Donc ok, s'il reste donc... un peu de place et toi t'as pile poil là ce qu'il faut mettre et tout, en reste deuxième pour finir ton camion, tu peux. Ok, donc il n'y en a pas qui font une récolte C'est très transfo, qui très vont rare. vendre. Ouais, d'accord, C'est très ok. très rare parce que c'est pas rentable. Étant donné autant, tu sais, t'as la transfo qui est ailleurs que du lieu de dépôt. Voilà, tu Oui. te dis, bah, sur le chemin, à la place d'aller sur le dépôt, tu vas direct vendre. Là, en théorie, ça serait un peu plus rentable. Mais là, étant donné que c'est le dépôt et au même endroit qu'on transfo, il n'y a aucune utilité à partir faire une petite vente. À part pour dire, oh là là, les supérettes autour de l'Ambir, elles sont disponibles, je veux pas moi me faire chier, aller trop loin, let's go. Donc, bah, je sais pour eux alors. D'accord, ok, je comprends le truc. Eh ben ça marche, je te remercie. Et de À rien. plus tard. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, ça va, il avait juste cassé son téléphone. Oh bah, il en restera 200 après. Ah, je lui avais pas fait le coup, Tiens, c'est Sean.
En tout cas, elle a pas l'air cassée. Ça, c'est une bonne chose. Pendant que je vais vendre ma première, là, j'irai faire un petit pipi. Ça commence à pousser. Pousse, ça pousse, ça pousse. Ah, personne sur le champ. J'aurais même pu m'arrêter sur le champ, récolter et après échanger. Pas très. Bon, si, d'un côté c'est rentable, hein, parce que tu fais là avec un trajet. Mais... Mélanger les fûts et les sacs de houblon, pas top. Elles avancent pas, les mules, elles avancent pas. Bizarre, je m'y attendais à celle-là. Qui passe entre les deux poteaux. Oh oui. Eh. Et ça, c'est pas merveilleux. Vais pas pouvoir les faire pipi. Et bonjour, Dame Ginette.
Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, et vous, Tranquille. comment allez-vous? Bah ça va, tranquillement. Bah C'est quoi l'entreprise, Seigneur? C'est C'est en Yellow, ça, non? bière. Non, c'est en Ambir, bière. ah d'accord. Ambir, si. Bon, et moi, il finit, hein. Il est tout vendu. Il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est vraiment un petit stock, quoi. Ah, Ah si. ouais. Ah, j'en ai vendu 90, hein. Oh là là. Faut que je change mon patch ça. Voilà. Pas s'ils reviennent ou pas. Hein. A quand même une sale gueule, Sean. Je crois qu'ils sont partis. J'ai l'impression. Ah mais on a des gants latex. Oh c'est des... J'ai l'impression que c'est un latex. Ah non, c'est pas du latex, c'est des gants en cuir. Ça fait bien. C'est du Weather News, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ouais, super. Pourquoi? Ben non, mais comme ça, je peux peut-être avoir les exclus de l'actualité de la journée en France. Alors, pas trop parce que moi je suis juste livreuse, pas journaliste. Ah d'accord. Et même vous, en tant que livreuse, vous n'avez pas l'actu en avance? Ouais, non, parce qu'ils gardent sûrement sur la dernière minute jusqu'à la publication, quoi. Ah d'accord. Ah vous faites que les publications de dernière minute, je pensais que vous aviez un petit journal. Vous savez, comme le Fire Time ou le New York Times. Alors, excusez-moi. Allez-y. Et salut mon petit python, comment ça va? Comment se passe ta nouvelle vie à Los Santos? Merde. Oh, ça va, tranquille. M'éclate beaucoup plus avec Sean qu'avec du lac. En même temps, avec du lac, ça commençait à devenir compliqué. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Ok. Ouais, d'accord. Ah non, pas du... Ouais, non. Non, non. Non, non, c'est pas dérangeant. Ouais. Vous comprenez pourquoi il est débile, il a rien dans la tête. Oui, c'est Et sûr, tu m'as appelé, oui. vous
Jolie va devenir LSF. Comment ça? Je t'avoue qu'en ce moment, le soir, moi je dors, donc j'ai pas tout encore. Ah oui, la caserne de pompiers, ok, donc c'est LSF, ok. Marche. Ah ouais. Monsieur Carolina Joe, fait la déjà gaffe, dans un mais groupe. je dirai pas. Elle est bientôt embêtée, hein, là. Petit Jordan. Tant que c'est pas modifié, tout va bien. Oh, comment ça a l'air de se prendre la tête au Weasel? Ah ouais? Ah, d'accord. Bah oui, oui. Il va falloir que je prenne là, des nouvelles d'un peu tout. Ouais, je suis en bière depuis dimanche matin. Moi, j'ai pas su par elle, hein. J'ai su par une collègue, alors. Depuis dimanche matin et je suis arrivé jeudi ou vendredi 27. Donc tu vois, on Voilà, perçoit quoi, même même pas 2 moi. semaines encore. Donc ça va, tu vois, c'est pas trop la galère. J'ai pas trop kiffé l'event Halloween non plus. C'est pas mon délire. Donc ce qui fait que pendant l'event, bah je sais pas. J'ai pas joué. Et puis en tant que nouvel arrivant, c'est compliqué. Un event comme ça, c'est pas simple. C'était trop toxique. Ah oui, t'étais sur Cali. Ok. Les relations toxiques, c'est horrible. Donc, non, 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 moi j'évite j'ai tout stoppé. de. J'évite de mélanger les serveurs. Oui, carrément. Hein? Dans toxique? Comment ça, t'es un chez toi? Pas normal. Ça n'aime pas. T'as pas le droit, t'es criminel. Oh bah tu Mais vois, de toute façon, mon cœur, il est Sean, pro Weasel. il a réussi à avoir un logement juste avant la pandémie, là. Donc ce qui fait qu'il avait plus de sous. Il avait beau essayer de réclamer aux assos, bah il avait quasiment rien. Hein. Donc j'ai décidé de pas jouer, clairement. Donc toi, faut pas que tu m'écrases. Putain, il va en rester 10 après. Abusé. Ouais. Mexicaine du Mexico. D'accord. Bah c'est pas pareil, déjà la méthode de production est pas la Un même. mariachi, quoi. Mais à l'origine D'accord. je voulais pas faire d'entreprise de production, je voulais pas aller en service public, donc ce qui fait que je lui ai inventé Et peur donc, du sang, peur des armes. Donc même pompier au ouais. final je suis baisé. Puis c'est Voilà pas quoi. grave, hein, j'irai avec un autre perso. Voilà, Et nickel pour Weasel. quand j'ai vu j'ai regardé le live Donc voilà, d'Alex je là en m'en fous replay. ça que je préfère qu'on me le dise. Ouais. J'ai vu qu'il y avait certains qui avaient postulé et Voilà. pas trop mon type de joueur, dirons-nous. Et de quoi que je t'ai pas dit? Ben si, je viens de te le Donc dire. voilà, donc ouais, à part les Ça s'est taxis, fait ce bah week-end. il n'y a pas grand emploi sans farm la production. Donc bah on prend ce qui vient. Hein.
plutôt du style J'ai pas suivi non plus. J'ai pas suivi non plus. Bah, Dula qui a su comme quoi Tremblay avait racheté Pardemi suite au départ d'Emmy de l'entreprise. Parce que bah elle avait été rétrogradée, donc elle avait dû faire de la merde, hein, clairement. Comme ce qu'elle faisait depuis qu'elle avait elle avait grimpé. Et donc quand elle était dégradée, bah elle l'a pas apprécié et elle s'est barrée de Chiron. C'est tout ce que je sais. En HRP, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Protection, je crois que Valentin a voulu parler avec elle, mais je t'avoue, j'ai pas de nouvelles là depuis que je suis parti. Pas de nouvelles des autres. Il va falloir que j'en prenne. Ouais, bah si tu crames, je vais cramer aussi. Ah si ouais, ça parle de s'incendier. Ben moi, je vais faire ça. Ouais, mais peut-être, certes, mais c'est pas de ma faute s'il m'arrive des choses comme ça. Je l'ai pas fait volontairement. Ah oui, mais elle crachait sur le dos de tout le monde, donc je suis pas étonné qu'elle crachait sur le dos de Tremblay aussi. Ouais. Dès que ça allait plus entre eux, entre guillemets, bah. Ouais, ouais là, elle a dû cracher dur, quoi. Ouais, il a forcé, ouais. Il a arraché la paroute. Hein. Ouais, c'est bien fait, des couilles en or sur le dos de Tremblay. Hein. Bah, c'est toute mais bon. La journée à... De style de joueur, je suis pas fan. Le soir ou le matin, et entendre ça, non, c'est pas fou, quoi. C'est pas ouf. Donc voilà, donc j'espère que Bernardo s'en sort mieux. Ouais, bon, je pense, hein, quand même, il est assez intelligent. Hein. Notre petit Berg. D'accord. Depuis quand j'ai rencontré Curtis? Ouais. D'accord, dans l'ombre. Oui, c'est vrai. Il est passé de 10 à 15. Ouais, peut-être, je sais plus. J'ai remarqué que Basile était arrivé RH. Mais merde, quel con, et bah au moins il sera battu sûr. Et justement, Bernardo est en négociation avec Tremblay. Donc, par exemple, du lac part, il était en négociation pour avoir plus de parts. Et que Basile soit en... Ah merde. Pauvre tournado. Il est temps qu'il n'ait pas fini en tournado. Soit RH, Basile. Moi ça me trouve le cul. Hein. Parce qu'a priori, il faisait pas mal de merde déjà avant que du lac part. Donc là, s'il continue... Mais avec Sean, je l'ai pas revu. J'ai vu personne de Sean. Et ben voilà. Allez. Bonne journée à vous. Ouais, j'ai rien entendu de ce que t'as dit, ma grande. Bah, c'est plus du tout la même vie. Hein. C'est plus du tout la même vie. Okay.
Oui, bah oui, il y a quelques histoires comme ça en ce moment. Ah, tu recroises certaines personnes sans le vouloir et tu te fais convoquer pour donner des explications. Et certains se prennent même des bannes. Ok, ça marche. Bon courage à toi aussi. Ah merde. Et en espérant que ce soit juste un rendez-vous de contrôle là. Plus tard, mon lapin. Il l'a pas en sucre, j'ai chocolat. Et c'est cool d'être passé, je te remercie. Malade? Bon bah soigne-toi bien alors. Tac. De Nutella en sucre. Oui, voilà, ouais, tu vois, je l'avais plus. Ah, nickel, il prend le camtar. Et bonne Salut. journée à toi. Hop. Alors. Au final, je suis même pas allé faire pipi. Dégueulasse. Normalement, Roger a été appelé. J'espère. 1233, la vache. Normalement, ça aurait pas dû être moi qui le fais. On était à 640. Je vais changer un petit peu la façon de faire. J'ai fait un appel Roger, ça avait pas été fait. Ah,
Ah bah je sais pas c'est qui a pas fait la mise à jour, mais là on a 1233, ça fait beaucoup. Roger, c'est pour les sacs poubelles? Oui, c'est pour les poubelles. Bah, je sais pas, moi je suis arrivé, j'ai juste fait mon plein, je suis pas allé regarder aux poubelles encore. Ouais, non bah c'est fait, hein, t'inquiète pas, j'ai mis à jour. Ça marche. Mais comme cool. On était plusieurs à vendre... Ah ouais, puis j'ai commencé... Sympa. J'ai commencé hier, donc... Enfin, ah oui, soir, d'accord. Vous ferez tout neuf. Ah oui, t'es... Mince. Moi c'est Rob. Rob, voilà. Enchanté, Sean. Je suis arrivé hier dimanche. Ok, enchanté, Sean. Donc tu vois, on n'a pas beaucoup de cartes de différence. Hein. Ouais, ça va, ça va. Et ben allez, moi je vais me reposer un petit peu. Peut-être à cet après-midi si on se croise. Ouais, bah merci pour l'appel, Roger, du coup. De rien. Ouais, pas cool là, Roger. Bon, je vais enfin pouvoir les faire pupiller. Alors normalement j'avais prévu de jouer cet après-midi. Je suppose que au final je vais jouer. Clairement. Donc bah on verra. Allez. Fauteuil miteux là. Merde. Voilà. Mais ça. Donc je sais pas si je vais jouer. Ça m'étonnerait que je live. À 15h je dois partir donc pour faire 2h pote. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Bon après-midi, une bonne soirée si on s'en revoit pas. Et il y a de grandes chances à demain. Allez, ciao!